premier coup de cœur est le livre de Laure Adler, Marguerite Duras, Flammarion. C'est un livre qui retrace tout l'univers durassien à travers des photos, des facsimilés, des manuscrits. Et j'ai aimé ce livre car ce livre est magnifiquement illustré et des documents très originaux et parfois inédits. Mon deuxième coup de cœur est l'incroyable bestiaire de Monsieur Anderson, de Gaspard Anderson, aux éditions Les Belles Lettres. C'est un bestiaire classique, magnifiquement illustré, qui va partir de l'humain pour aller à l'animal le plus insolite, comme le Winnie de l'eau par exemple. J'ai aimé ce livre car c'est un livre très instructif et absolument insolite. Mon troisième coup de cœur est le livre de photos Pina de Walter Vogel à l'édition de l'Arche. Ce livre est un livre de photos qui retrace la carrière de la grande chorégraphe Pina Bausch depuis ses années de jeunesse jusqu'aux années de maturité. J'ai aimé ce livre car on découvre un visage de Pina Bausch inédit, un visage mutin. On la découvre au plus intime et au plus près de sa beauté.